Monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas président, vous êtes secrétaire général. Je rectifie. Merci à vous. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Oui. Vous êtes arrivé à Mayotte récemment. Vous êtes là pour quelques jours pour pouvoir effectivement prendre le pouls de ce qui se passe en matière de sécurité à Mayotte. Et Dieu sait qu'on en a besoin parce qu'on est souvent dans une situation compliquée. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vont nos commissaires de police ? C'est gentil de prendre de leurs nouvelles, ils vont bien. Je les ai rencontrés dès que je suis arrivé, ils m'ont même accueilli très, très gentiment. C'est des collègues que j'ai connus à Paris, en région parisienne, sur d'autres postes, dans nos carrières respectives. C'est pas un hasard d'ailleurs, ceux que je connais qui travaillent ici, parce que c'est des grands professionnels. Ils travaillent beaucoup, ils se sont toujours investis dans des endroits difficiles, et je suis pas étonné de les retrouver à Mayotte, qui est un territoire difficile, on en parlera. Donc j'ai été ravi de les rencontrer. Ils vont bien, voilà, ils travaillent beaucoup, il y a de la fatigue, il y a de la contrainte. C'est des gens passionnés. Alors, on ne va pas refaire le bilan de l'insécurité. Vous le connaissez, on le connaît. Des questions rapides, simples, puisqu'on ne vous a pas pour très longtemps. Les policiers et les gendarmes interpellent. Même le procureur reconnaît une augmentation des statistiques d'interpellation. Les délinquants font de la garde à vue, sont ensuite présentés devant un juge ou en tout cas devant l'institution judiciaire et sont relâchés. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu pénible cette manière de travailler pour les policiers ? Alors je vais essayer de faire quand même une réponse assez détaillée parce qu'il y a un peu de nuance quand même. Tout le monde n'est pas relâché. Quand vous avez un crime de sang avec un individu qui est reconnu coupable, en général, la justice passe et est très sévère. On parle d'une grande partie d'une délinquance dont on souhaiterait, policiers, comme sans doute beaucoup de gens dans la population, les voir aller en prison quand ils ont commis beaucoup de faits. Là, je vous rejoins. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Il se passe que la chaîne pénale est engorgée. Ce qui se passe à Mayotte est exactement ce qui se passe en métropole. Oui. On peut tout dire de la justice, mais avant de dire que la justice fait ou ne fait pas, il faut donner les moyens à la justice de pouvoir faire. Je suis arrivé il y a peu de temps. Je sais déjà que sur l'île, il n'y a pas de centre éducatif fermé. Donc ça, c'est un problème. Il y a sans doute une maison d'arrêt qui est trop petite. Donc tous ces sujets-là, tant que les juges, les magistrats, qu'ils soient procureurs, juges d'instruction, juges du siège, n'ont pas les moyens de la politique pénale pour punir et enfermer ceux qui doivent l'être, parce que je rappelle que la prison, c'est avant tout de punir et puis ensuite d'écarter la personne qui crée un danger pour la société. Exactement. C'est les deux critères. Et on a oublié que parfois, la peine, c'est de punir. Donc vous savez, ce problème-là, il n'est pas propre à Mayotte, il existe ailleurs sur le territoire national et en métropole. Donc je vous rejoins, ce qui est très frustrant pour des policiers, c'est de faire ce travail. Ils n'arrêtent pas de faire ce travail, d'ailleurs on le voit à Mayotte, ils interpellent, ils ont des résultats assez exceptionnels. Sur les crimes de sang, les résultats sont rapides ? Rapides, une grande efficacité judiciaire. Je suis allé voir hier le DTPN, Laurent Simonin, qui m'a fait part de très bons chiffres. Mais c'est vrai que la réalité, c'est de voir si la population est satisfaite d'une amélioration. Et si l'amélioration ne se voit pas dans la rue, à quoi tout cela sert ? Donc il faut continuer à chercher les bons leviers d'amélioration. Et là, on se rend compte que ce sont des sujets très importants. Et en ce moment, les discussions qui se passent au niveau du ministère de la Justice, qui sont les mêmes qu'on a fait au ministère de l'Intérieur, c'est maintenant à la justice de regarder ce qui est défaillant chez elle. Et c'est aux politiques, au pluriel, de trouver les moyens pour que la justice fonctionne mieux. Quand on a préparé cette émission, vous me disiez que vous aviez 22 ans de service de terrain en tant que policier. Donc de la violence, vous en avez vu dans des quartiers difficiles. Vous en parlez d'Île-de-France, de Seine-Saint-Denis, de Marseille. C'est des zones compliquées également pour les policiers. Quand on voit et quand on vous rapporte la violence vécue par les forces de l'ordre ici et la population, je rappelle les derniers faits, un jeune homme poignardé en pleine journée et assassiné dans la rue en pleine journée pour un vélo, un père de famille de 44 ans qui est assassiné à coups de palette dans la tête par un gamin de 17 ans, un voyou de 17 ans qui est découpé vivant par d'autres voyous plus ou moins du même âge. Est-ce que cette violence-là, on la retrouve ailleurs en métropole ou est-ce que c'est spécifique à Mayotte ? Alors, on la retrouve ailleurs dans certains endroits de la métropole et fort heureusement pas partout, mais elle existe malheureusement ailleurs. Je vais vous prendre les exemples du Grand Marseille. On a une augmentation de la violence gratuite en plus du crime organisé qui fait qu'aujourd'hui on peut se faire brûler vivant et enfermer quelqu'un vivant dans le coffre d'une voiture. Heureusement c'est circonscrit, enfin malheureusement, sur certains quartiers dits très difficiles. Donc c'est pas une particularité de Mayotte, même si Mayotte est très impacté par tout ce qui est crime de sang. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, sans vouloir vous étonner, c'est cette violence gratuite du quotidien qui fait qu'hier, quand je suis arrivé au commissariat, l'intégralité du parc automobile est intégralement caillassée. C'est-à-dire que toutes les voitures de police
sont, comme on dit vulgairement, bousillés, impactés par des jets de pierre. Et là, on se rend compte qu'en fait, le quotidien d'une patrouille, c'est qu'il n'y en a quasiment pas une journée sans recevoir des pierres, je caricature à peine, mais sans prendre de risque de tomber sur des individus qui vont casser, attaquer des policiers gratuitement. Et ça, ce phénomène-là, il est inquiétant. Il existe à Mayotte, il ne faut pas le nier, il est même très important. Et il est en train de monter ailleurs en métropole. Et ça, c'est très inquiétant, parce que cette violence gratuite sur les forces de l'ordre, ça en dit long sur le sentiment d'impunité. Donc, c'est un vrai sujet. Le sentiment d'impunité, il est dû à quoi? Au fait que les gens ne sont pas incarcérés, 30% de mineurs qui commettent les délits, 70% de majeurs, et pourtant il y a un grand sentiment pour les voyous de se sentir libres. Le sentiment d'impunité, c'est effectivement, comme son nom l'indique, quand on n'est pas puni au bon moment, on considère que finalement on peut continuer. Et la grosse erreur des pouvoirs publics depuis 30 ans, c'est de ne pas avoir puni les mineurs délinquants qui rentrent dans un schéma de multi-réitérants, de multi-récidivistes. Et même si les faits ne sont pas très graves pris individuellement, quand il y a un schéma criminel, que la justice ne passe pas au bon moment, même pour un mineur, à 15 ans, à 16 ans, alors que la loi le permet, il y a un moment, si la prison n'arrive pas, ou si le centre éducatif n'arrive pas, si des mesures d'éloignement n'arrivent pas, vous créez ce sentiment d'impunité. Le mineur, dans son parcours délinquant, il continue à commettre des actes en se disant que finalement, la justice ne passe pas et que tout ça est gratuit. Et ça, c'est extrêmement déplaisant pour des policiers qui, eux, continuent d'interpeller à tour de bras. Vous connaissez cette anecdote. On a tous, en tant que policiers, interpellé des gens qui avaient 60, 70, 80 faits au compteur. Et qui sont des gens qui finalement, je vais être très trivial, n'en ont plus rien à faire de la justice parce qu'ils considèrent qu'ils ne l'ont jamais vue et qu'elle n'arrivera pas. Et ça, il faut récupérer ce temps-là et il faut investir sur une justice qui ait le courage de la fermeté pour les générations futures afin que ce sentiment d'impunité ne dure pas. Alors en termes de moyens, vous diriez que la police a suffisamment de moyens aujourd'hui pour travailler à Mayotte et que la réponse, elle est plutôt pénale, c'est-à-dire donner les moyens à la justice, ou bien la police a aussi besoin de moyens complémentaires? Alors, on fait toujours mieux avec plus de policiers, hein, je ne vous dirais pas le contraire. Après, il faut être très objectif. La police de Mayotte a été renforcée de façon conséquente ces dernières années, même importante. Elle s'est réorganisée avec la nouvelle direction territoriale de la police nationale. On en reparlera peut-être. Oui. Mais aujourd'hui, effectivement, ce qui manque cruellement, c'est les moyens du côté de la chaîne pénale. Nombre de magistrats. Hein, je vous rappelle que la France est très très en retard au niveau européen. On a beaucoup moins de magistrats que nos voisins allemands, italiens, anglais. Manque de greffiers, manque de personnel dans l'administration pénitentiaire, manque de structures, manque de centres éducatifs, manque de maisons d'arrêt. Pour punir ceux qui doivent être punis, il faut les structures pour les punir. Vous savez, un magistrat, quelles que soient ses idées ou son idéologie, quand il a un criminel ou un délinquant, s'il a les moyens de le punir à la juste mesure de ce qu'il a fait, il va l'emmener sur le chemin de la punition. Après, on peut toujours tomber sur un juge des libertés et de la détention, des vices de procédure, des avocats qui font leur métier, et c'est comme ça que la chaîne pénale fonctionne. Mais si vous n'avez pas les structures, le réflexe d'un magistrat, c'est en fonction des structures qui sont déjà pleines, qu'est-ce que je fais et quelle est l'autre voie? Et cette autre voie, ce n'est pas celle de la condamnation qu'on pourrait espérer en tant que citoyen. Et là, c'est un problème de structure globale de chaîne pénale, ce n'est pas la faute d'un magistrat, donc il faut régler ça. Et au-delà de la chaîne pénale, quand un jeune est arrivé, on va imaginer qu'il a 17 ans, il est arrivé en Kwassa, voire né ici, et qu'il n'arrive pas, pour mille raisons, à rassembler les éléments pour obtenir des papiers, quel est son avenir finalement? Puisque au bout d'un an, sa vie va s'arrêter et il n'aura plus le droit de rien. Il ne pourra plus aller à l'école, il est perdu, il n'a plus de papiers, la police peut l'interpeller pour le ramener où, puisqu'on ne sait pas d'où il vient. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi une source de violence, finalement? C'est bien sûr une source de violence, mais ce n'est certainement pas à travers la police qu'on va trouver les solutions. Là, on se rend bien compte de la limite de ce qu'on peut demander ou attendre de la police. Et encore, je vais vous dire, parce que pour avoir discuté avec mes collègues commissaires, ils ont mis en place des dispositifs, qui sont des dispositifs de prévention, d'accueil, de réinsertion, qui sont extraordinaires et qui sont ici très développés. Mais s'il y a uniquement sur la police ou la gendarmerie, bien sûr, sur l'île, qu'on attend de régler ce problème de cette jeunesse errante ou désœuvrée, on sait très bien qu'il n'y aura pas les solutions uniquement entre les mains du ministère de l'Intérieur. Ça serait quand même le con. Ou alors, il faut renommer le ministère de l'Intérieur et faire de nous autre chose que des policiers. Nous, notre travail, c'est de faire de la prévention, bien sûr, mais c'est aussi de réprimer la délinquance. Donc ça, ça nécessite un partenariat. Et ici, je ne vais pas montrer du doigt les uns ou les autres, mais ce partenariat, ces mesures, ces dispositifs, ils doivent être pris en compte par les collectivités, sans doute par des associations. Ça doit être des mesures qui doivent être des mesures de réinsertion et qui permettent à ceux qui veulent s'en sortir de s'en sortir. Ce n'est pas un sujet policier. Quand vous allez rentrer à Paris, dans quelques jours, vous allez faire remonter un certain nombre de besoins, d'observations. Est-ce que cette observation-là, elle fera partie des éléments que vous allez remonter ?
J'en ai déjà beaucoup en tête, il faudra que je priorise. Le premier, c'est l'engagement très fort des forces de l'ordre ici, des gens qui viennent faire un travail très difficile, dans des conditions difficiles. Le deuxième, c'est une réorganisation d'une police sous la forme d'une direction territoriale de la police nationale qui se donne les moyens de mieux fonctionner, de réussir ses propres résultats. Et ça, c'est bien, une administration qui fonctionne bien. Le troisième, c'est ce que je vous ai décrit, hein, la faiblesse des structures dans la chaîne pénale qui fait qu'en bout de chaîne, si la criminalité est très forte sur l'île, eh ben, il faut élargir le tube de la justice pour que la justice puisse aussi agir. Et ça, c'est un vrai sujet. Et puis, je vais sans doute découvrir d'autres sujets que je ferai remonter avant la fin de mon séjour. Alors justement, on parlait de la réorganisation de la police nationale sur le territoire avec une direction territoriale qui rassemble hommes, moyens autour d'une même gouvernance. Pour une fois, Mayotte est leader sur la France, puisque cette organisation a d'abord été mise en place dans les départements d'outre-mer, dont Mayotte, et ensuite sera ou est en cours de transmission en métropole. Est-ce que finalement cette nouvelle organisation, elle est efficace pour vous ? Alors, on pourra dire ça quand on aura, je dirais, fait le bilan d'une première année d'expérimentation en métropole. Moi, j'étais allé en Guyane il y a à peu près 3 ans, où ça avait aussi commencé. C'est un modèle intégré. Voilà, ça a beaucoup de vertus. Il faut après regarder ce qui peut aller ou ce qui ne peut pas aller. Hein. Chaque territoire a des particularités. Ce qui est évident, c'est que dans les départements d'outre-mer, regrouper les effectifs de police, les missions de police, les directions de police sous l'autorité d'un seul chef, ça permet de faire de la synergie, ça permet de faire travailler les gens ensemble. Ils travaillaient déjà ensemble avant, mais aujourd'hui, vous pouvez considérer qu'il y a une seule force de police nationale avec un chef et 750 policiers qui sont derrière, unis avec évidemment un directeur général qui se trouve à Paris. Donc ce modèle intégré présente beaucoup d'efficacité et d'intérêt. En métropole, vous l'avez dit, hein, ce qui est incroyable, c'est que pour une fois, ça commence dans les départements d'outre-mer. Donc là, on est en train d'expérimenter en métropole. Il y avait 3 premiers départements, puis il y en a 5 de plus qui viennent d'être mis en expérimentation. On verra en métropole ce que ça donne, mais vous l'avez dit, ce sont les départements d'outre-mer qui sont leaders pour ce nouveau modèle de police intégrée. Ça présente beaucoup d'intérêt. Et moi, je regarde ça très attentivement, parce que je trouvais que c'était une excellente idée, et notamment pour nos problématiques internes police, de RH, de vie tous ensemble, qui fait qu'on avait des directions qui n'avaient pas les mêmes moyens, qui n'avaient pas les mêmes objectifs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est tous policiers nationaux, on appartient à une même maison, et ça, c'est le point important que je voulais souligner. Alors, votre séjour va se poursuivre. Vous allez rencontrer et limiter vos rencontres aux forces de l'ordre, ou vous allez aussi aller rencontrer des acteurs associatifs qui œuvrent hein, dans la délinquance ou la prévention de la délinquance, ou vous vous limitez finalement aux frontières du commissariat et des hommes et des femmes qui travaillent autour du commissariat ? Non, pour être très franc avec vous, je ne vais évidemment pas me limiter aux forces de l'ordre, parce que le métier de policier, c'est un métier ouvert vers la société civile. Et grâce à mes collègues commissaires qui vont encore me faire visiter l'île, on va rencontrer d'autres personnes, des acteurs de terrain, des partenaires. Et puis je vais revenir, parce que je ne vous cache pas que mon séjour est beaucoup trop court. C'est la première fois que je viens à Mayotte. Oui. On doit aussi aller à La Réunion voir nos collègues sur l'île d'à côté. Et on reviendra, parce qu'il est important de se rendre compte que quand on est policier, même à 7000 km de la métropole, on fait partie d'une seule et même maison, et on a un besoin de se voir les uns les autres pour faire passer des messages, ce que j'avais commencé à faire au début de mon mandat, donc je vais poursuivre. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est déjà la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.